Attaquant, Jay Clinton. Mugue François. Moubanya Faris. Aboubakar Vincent. Toko et Kambi. Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023, les 27 poulains de Rigobert Song Bahanak sont connus. Il s'agit de 4 gardiens de but, 9 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Le coach des Lions Indomptables du Cameroun a rendu publique sa liste sous l'appréciation des professionnels des médias. C'est comme le coach l'a relevé lui-même, c'est dans la continuité. Vous avez vu qu'il n'y a pas trop de changements. Il a pu faire confiance à 2 joueurs de notre championnat local. Par rapport à la liste, je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Bon, c'est en Côte d'Ivoire qu'on saura si elle avait été bonne ou si elle était mauvaise. Pour le moment, on ne peut que spéculer. 27 Lions Indomptables, mais un semble manquer à l'appel. Éric Maxime Choupo-Moting, dont les performances ont toujours marqué les Camerounais. On ne sait pas pourquoi Choupo-Moting n'est pas là. C'est la seule absence que le coach ne parvient pas à convaincre en termes de justification. Choupo-Moting, qui en ce moment est l'un des joueurs camerounais qui joue au niveau. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui peut bien justifier son absence, quand bien même il n'a pas déclaré sa retraite internationale. Pour le coach, il fallait faire un choix. Choupo-Moting, c'est un très bon joueur, nous le savons tous. Mais j'ai dit qu'il faut faire un choix dans la continuité de ce que nous avons pu faire déjà depuis quelques temps. Vous avez vu que ça reste un joueur qui est important. Je pense que le choix a été fait. Les Camerounais sont conscients. Leur pays n'est pas favori pour cette édition. Mais le sélectionneur national rassure. Pour vous, vous trouvez qu'on n'est pas favori? Ben écoutez, non, mais je pense que, vous savez, l'histoire peut se répéter. Et mes joueurs, nous savons que nous devons aller le plus loin possible, tout simplement. Et nous savons ce que nous voulons et nous savons où est-ce que nous allons arriver. Le Cameroun ira en Côte d'Ivoire pour chercher son 6e sarte continental. Difficile, mais pas impossible.